Donc salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter mes 10 bivouacs favoris. Donc pour moi c'est les 10 perles un peu que j'ai trouvées au bout de ces quelques années d'errance sur YouTube et de recherche vidéo. Donc franchement je pense qu'ils vous plairont et que vous en découvrirez des nouveaux très intéressants. Moi je vous souhaite un bon visionnage et puis bah c'est parti. Numéro 10. Ok, alors ce premier extrait est issu de la chaîne Joe Bushcraft Alpin et de la vidéo L'art des bois en solitaire. Donc c'est une vidéo assez longue de plus de 30 minutes, mais on y apprend quand même vraiment beaucoup de choses. Je vous la conseille, elle est vraiment bien faite. Numéro 9. Cela fait quelque temps que moi et mes deux amis avions un rêve. Faire le tour du Mont Blanc. Trois pays, une seule identité montagnarde, 10 000 mètres de dénivelé et environ 60 heures de marche pour 170 km de découverte. Ok, donc cet extrait vidéo vient de la chaîne d'Alexis Bruce, donc et de la vidéo trek autour du Mont Blanc qui a été tournée pendant ses grandes vacances. Donc la vidéo dure 30 minutes, elle est franchement très bien filmée, intéressante et aussi amusante, donc je vous la conseille. Numéro 8. Ok, donc ici vidéo un peu particulière puisqu'elle est issue d'une chaîne allemande, donc Survival Matin. Et ici franchement je vous la conseille même si vous ne parlez pas allemand, donc il y a les sous-titres, c'est franchement faisable. Et elle est vraiment intéressante puisque bah il est original quoi, puisqu'il va dans un marais pour faire un bivouac, il essaye de faire une plateforme etc. Donc c'est vraiment bien joué de sa part. Numéro 7. Donc ici on a une vidéo issue de la chaîne de Rune Malte Bertram Nielsen, donc une chaîne du Danemark, mais cette fois ici il ne parle pas. Donc vraiment je trouve c'est très intéressant puisque il filme vraiment super bien, il a une super qualité d'image. En plus il est très bon au maniement de la hache, etc. Donc vraiment très intéressant à regarder. Je vous conseille encore une fois. Numéro 6. Salut, c'est Jacob Carrou et vous savez quoi? Je suis breton. Bon, c'est l'occasion de vous montrer un peu de bushcraft en bord de mer et surtout qu'est-ce qu'on peut y manger. Allez, je vous y emmène. Donc cette vidéo est de Jacob Carrou, donc celui qui a passé 9 mois d'ermitage dans une cabane dans les Pyrénées. Donc ici sa vidéo s'appelle Repas Bushcraft en bord de mer. Elle est franchement vraiment sympa, très bien filmée, bien montée aussi, donc je vous conseille. Numéro 5. Ok, donc ici on a une vidéo issue de la chaîne de Black Wolf Christophe, donc comme vous l'avez vu, qui s'appelle Humble devant elle et qui est un bivouac. Donc ce monsieur fait souvent de longs bivouacs, donc de plusieurs jours, et prend beaucoup de vidéos et de prises de vue de la nature. Donc pour ceux qui aiment ces paysages, allez-y, foncez. Numéro 4. Thank you.
Et encore une vidéo de Jacob Caro, donc franchement il en fait de très bonne qualité. En plus il a des sujets vraiment souvent très originaux et très intéressants. Donc comme je vous l'avais dit, l'ermitage 9 mois dans une cabane dans les Pyrénées, franchement du coup il est très intéressant et donc une fois de plus je me répète, je conseille. Numéro 3. Hey, this is Tom McElroy of WildSurvivalSkills.com. In this video, I'm going to head out into the Sonoran Desert for a week and document the crucial steps I take to show you how you would live out here in full survival. Ok, donc ici on a une vidéo d'un anglophone, donc pareil, lui il est ultra original et franchement presque il prendrait des risques pour faire ses vidéos, donc ça vaut le coup et il connaît vraiment plein de choses, donc si vous avez envie d'apprendre et surtout des méthodes de survie, allez voir sa chaîne, hein, franchement. Et c'est parti pour le numéro 2. Ok, donc ça y est, on a notre bushcraft féminin, donc désolé par contre c'est encore une chaîne anglaise, donc bon, pour ceux qui voulaient que des vidéos en français, je suis vraiment désolé, mais bon franchement je trouve que ça vaut le coup d'œil quoi, en plus il y a les sous-titres, donc si vous êtes motivé. Donc une vidéo qui dure 50 minutes et qui est issue de la chaîne Survival Lily, donc elle va passer une semaine seule au Canada, très intéressant. Et le temps attendu, numéro 1. Vous l'avez deviné, c'est encore Wild Survivor, donc toujours des vidéos dans le thème du survivalisme, beaucoup de méthodes et de techniques très intéressantes à apprendre. Donc, bon, malheureusement, toujours des vidéos en anglais, donc pour ceux qui n'aimaient pas les langues étrangères, vraiment désolé. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce top vous aura plu et qu'il vous aura fait découvrir des nouvelles vidéos et aussi peut-être de nouvelles chaînes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bah à plus.